aller chercher la connaissance, ramener au pays, chercher plus à investir dans l'agriculture, parce qu'un ventre vide ne peut pas être autonome, un ventre vide ne peut pas être indépendant. Cherchons à nourrir nos populations, nous avons toutes les ressources. Allo Abdelaziz, Aziz Gobiko pour les intimes. Je suis financier de formation et depuis 2014, je me suis lancé dans l'agriculture. Je suis guinéen d'origine, je produis en Guinée, dans la région du Fouta Dialon, précisément à Timbi-Madina. Je produis principalement de la pomme de terre, du riz, du maïs, du haricot. J'ai eu à voir Jeff Zone pour la première fois lors d'un forum au GIF de Dubaï. Et c'est à partir de là que je me suis intéressé à Jeff Zone et j'ai commencé à les suivre sur les réseaux sociaux. Depuis, j'ai voulu assister à leur formation et c'est maintenant que j'ai eu la chance d'assister à cette formation. Une formation vraiment, vraiment salutaire, lors de laquelle j'ai appris énormément de choses grâce à cette formation. Je compte diversifier mes activités maintenant au lieu de me focaliser que dans la pomme de terre et ce que je viens de citer, je vais encore plus me lancer dans le soblet, c'est-à-dire l'oignon, et je vais me lancer dans les cultures maraîchères. J'appelle les jeunes à plus s'intéresser à l'agriculture, moins chercher à sortir du pays. Au cas où il faut sortir, aller chercher la connaissance, ramener au pays, chercher plus à investir dans l'agriculture, parce qu'un ventre vide ne peut pas être autonome, un ventre vide ne peut pas être indépendant. Cherchons à nourrir nos populations, nous avons toutes les ressources disponibles sur place. Nous avons les climats, le relief et nous avons un agenda d'aliments qu'on peut cultiver. Donc j'invite les jeunes à plus se lancer dans l'agriculture. C'est prometteur, c'est porteur et c'est vraiment plein de belles aventures.